Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Agro du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 252. On va faire une petite pause dans la construction de la caisse claire et on va s'occuper de ma boîte pour mon imprimante 3D. Allez, c'est parti. Bon, ma première version de la boîte pour mon imprimante 3D marche pas bien. On va essayer d'arranger ça et de la rendre un peu plus pratique. Pour ça, j'ai acheté des glissières pour créer un espèce de tiroir sur lequel l'imprimante 3D va s'asseoir. Et évidemment, j'ai pris des glissières trop longues. Après un petit aller-retour au magasin de bricolage, j'utilise un morceau de contreplaqué comme espaceur et j'installe les glissières avec les vis fournies. Je mesure et on va créer une plateforme de 40 par 45 cm avec du contreplaqué. J'utilise ma scie circulaire sur table pour découper le contreplaqué à la bonne taille avec mon chariot, puis je découpe des bandes de 7 cm de haut pour faire le reste de la structure. Je les découpe à la bonne longueur en utilisant le chariot de ma scie et on va pouvoir assembler tout ça. Pour assembler la plateforme, j'utilise ma méthode préférée, c'est-à-dire perçage, fraisage pour laisser un espace pour la vis, puis colle et vissage. Comme la plateforme va devoir supporter une bonne vingtaine de kilos, je mets deux traverses pour répartir le poids. Je fixe la deuxième partie des glissières sur la plateforme et je tente de remettre tout ça en place. Et il s'avère que la structure de ma boîte est plus parallèle et pipette que rectangulaire, donc un peu de brute force pour rentrer tout ça et ça marche nickel. L'idée ici maintenant est d'intégrer deux ventilateurs pour faire rentrer et expulser de l'air en utilisant une alimentation 12 volts et des ventilateurs de PC. Malheureusement pour moi, les ventilos ont besoin d'une alim qui délivre un courant PWM, en gros un courant pulsé, donc faible sur les ventilos, donc je m'en occuperai une autre fois. On va se concentrer un peu sur la face avant de la boîte. D'abord en découpant des morceaux de montant de lit à la scie circulaire sur table. Que je découpe ensuite à la scie à onglet avec un angle de 45 degrés. Le but ici est de faire un cadre en bois sur lequel je vais monter une plaque de plexiglas. J'ai peu de découpe, donc la scie à main est nickel pour ça. Je découpe de hauteur et de largeur, que je vais assembler ensuite simplement avec des vis. Dès que mon cadre est prêt, je retaille ma plaque de plexi, d'abord en largeur, puis en hauteur. La plaque de plexi et le cadre vont être collés et vissés, donc je préperce et fraise le tout.
Je mets une ligne de colle tout autour du cadre et je visse le tout bien fermement, mais pas trop, pour pas péter le plexiglas. Maintenant que ma face avant est prête, j'installe deux charnières avec des vis directement dans le bâti de la face et je réinstalle les fermetures utilisées lors de la précédente version. Pour un rendu plus clean et surtout pour que ce soit plus pratique, j'installe même une poignée. Je finis par découper des chutes de tasseaux qui vont servir à sécuriser ma boîte sur le French Clit, que je prépère et accroche à des endroits stratégiques de ma boîte. Je réinstalle ma boîte, mais certaines vis trop longues empêchent l'imprimante de rentrer dans sa nouvelle maison, donc je change ça hors caméra. Dernier élément chiant à rectifier, la prise électrique empêche le tout de fermer. Donc je perce un autre trou, d'abord en l'attaquant à la perceuse, et ensuite en trouvant plus ou moins tous les moyens de le faire dans cet espace réduit. J'agrafe un morceau de mousse pour empêcher la poussière de rentrer par le trou du cordon d'alimentation et on va pouvoir réinstaller tout ça une nouvelle fois. Je remets pour la 20e fois la boîte à sa place, teste que l'imprimante rentre bien, réinstalle la face avant et les vis des charnières. Et voilà, ma deuxième version de ma boîte pour mon imprimante 3D est finie, avant de passer à la V3 sous peu. Bon alors qu'est-ce que ça donne cette boîte ? Ben c'est plutôt pas mal. La première chose, j'ai installé une espèce de plateforme avec des glissières qui permet d'aller placer et enlever l'imprimante 3D sans avoir à se faire chier. Je suis dans un espace qui est relativement petit, donc c'est plutôt bienvenu. Bien sûr, l'installation de cette plateforme s'est pas fait sans mal. J'ai choisi les mauvaises glissières qui faisaient 50 mm, de 500 mm, alors qu'il me fallait des glissières de 400. La deuxième chose, ma boîte est pas complètement carrée, elle est un peu parallélépipède. Ou je sais pas comment on dit ça. Donc j'ai dû un peu la bourriner pour la rentrer à l'intérieur, mais maintenant ça marche plutôt pas mal. Dernière chose, quand j'ai vissé plein d'éléments à droite à gauche, j'ai pas du tout fait attention au fait que les vis dépassaient de 2-3 cm, ce qui bloquait l'imprimante 3D. Alors c'est des petits éléments que j'ai pu modifier au fur et à mesure, qui sont pas dramatiques, mais qui sont très chiants, puisqu'à chaque fois, ça me demandait de décrocher ma boîte, de venir l'amener sur ma table, de la reaccrocher, de la retester, etc., etc. Donc rien de dramatique, mais c'est juste un petit peu fatigant, et la boîte pèse un âne mort. Je sais pas combien elle pèse, mais elle doit bien peser 15-20 kg minimum. Donc trimballer à bout de bras 20 kg, ça fait du sport. Le gros fail de l'épisode, c'est le système de ventilation. Je voulais faire un système de ventilation où, en gros, j'aspirais de l'air d'un côté et je le recrachais de l'autre, puisque si je maintiens ma boîte fermée, en fait, à l'intérieur, l'imprimante 3D chauffe, puisque le plateau chauffe à 60 degrés, et la circulation d'air ne se fait pas. Ce qui est bien, puisqu'il n'y a pas de poussière qui rentre dedans, mais ce qui n'est pas bien, puisque, au fur et à mesure, l'imprimante devient de plus en plus chaude et commence à foirer à droite à gauche. J'ai essayé d'utiliser des ventilateurs de PC avec une alim stabilisée de 12 volts, mais apparemment, les nouveaux ventilateurs ont 3 fils, donc ils ont la masse, le 12 volts, et l'autre, c'est un espèce de tachymètre qui permet de savoir à quelle vitesse votre ventilateur est. Et plutôt que de balancer
une tension de 12 volts toute simple, il faut utiliser ce qui s'appelle un courant PWM, c'est-à-dire des espèces de petits carrés qui vont envoyer des impulsions au ventilateur pour lui dire en gros à quelle vitesse est-ce qu'il doit tourner. Je n'avais pas du tout prévu ça et je le traiterai dans un autre épisode et peut-être je vais trouver une autre solution un peu plus simple pour faire mon système de ventilation. Globalement, je suis plutôt content de la V2 de ma caisse pour mon imprimante 3D qui va me permettre d'économiser un peu de place et surtout de faire en sorte que mon imprimante 3D reçoivent pas une tonne de poussière et soient niqués comme la dernière fois. C'est la V2, je pense qu'il y aura une V3 avec un système d'aspiration et peut-être d'autres trucs à droite à gauche. Je pense qu'il y a beaucoup plus simple. J'y vais un peu en mode overkill, mais ça me permet aussi justement de tester des méthodes et des choses qui j'ai pas vraiment le temps de tester sur d'autres éléments à droite à gauche. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Un grand merci encore à The Lumberjack Feedback pour m'avoir autorisé à leur voler de la musique. Tous les liens, bien sûr, pour aller écouter de leur musique sont dans la description. Toi aussi, tu peux rejoindre le clan des gentils barbutipeurs, nous envoyer quelques piécettes par mois, ce qui nous permet de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour l'épisode 252, la V2 de ma boîte pour mon imprimante 3D. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.